C'est le shiny day! Il pleut, j'ai pas besoin de m'occuper du jardin, c'est parfait. On va prendre un peu de tout en termes de bouffe. Bon, juste vite fait avant. C'était quoi ça? C'était les fraises? Ouais, c'était les fraises. Donc les fraises sont prêtes, très bien. Allez, viens, suis-moi, Lucky. Non, Lucky. Lucky commence pas à être dissident, hein. Quelle couleur sera le T-Rex? Alors, on prend ça, 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 ça. Tac. Alors, on a du coup des fraises qui sont terre et. Enfin, minéral et juteux. Juteux croquant, juteux minéral. Je vais plutôt prendre ça, le trèfle, puisqu'on en a masse. Cranberry, ça se récupère si facilement que voilà. Et il me faut un truc aromatique. Ça, on va prendre ça, ça en fait 9. Donc là, techniquement, on a tous les types de bouffe. On a juteux croquant. Ah putain, mais il met pas le truc. Minéral. Floral, c'est aromatique. Et épicé. Donc techniquement, on a tout. On a tous les types de nourriture que l'on connaît jusqu'à maintenant. Ainsi que les popins qui vont avec. Let's go. Alors, on va regarder un peu tous les dinos, hein, je vous le dis. Bon, là, pas de couleur particulière. Un peu plus de plantes aromatiques. Et de cranberry juste derrière. Donc là, chez les styracosaures, pas de surprise. Chez les triceratops, chez eux aussi. Il y a un violet. Bon. Chez les tricés. Nul. Chez les ankylos. Nul. Jean-Michel solitaire. Bon, la couleur est un peu sympa, mais un peu plus sympa que le vert flashy. Mais non. Lui, je le prendrais clairement que quand il sera en mode shiny noir et tout. Intéressant. Ici. Pas intéressant. Bon, on va aller voir vite fait là où il y avait les bûches là à côté du moulin. C'est d'ailleurs qu'il faudra que j'aille voir Marlowe par rapport à ça. Oh, il est un bleu. Oh, il est sympa comme ça. Il est à la fois sympa et extrêmement chelou, tiens. D'ailleurs, juste sur le coin où il y a tous les rondins d'arbres, voilà, il n'y a rien qui pop, genre quand il pleut. Oh. Ouais, l'ankylo orange et blanc, il est joli, mais c'est l'ankylo, un des ankylos classiques. Une des couleurs de base. Bon. Et bah écoutez, de ce côté-là de la zone, c'est un peu décevant, je dois le dire. On va aller voir de l'autre côté. Ah mais en plus vu qu'il pleut masse, il n'y a pas les Gallimimus. Dommage. T'es chez eux là. Oh, puis vous foutez là vous. Quand il pleut. Attends mais attendez. Oui, on en a jamais vu. En fait. Tu veux? Ouais, on en avait jamais vu, c'est bien ça.
N'avance pas surtout. Hein. Donc l'Utahraptor. Je vais prendre ses notes, lui en soi je vais pas chercher à le choper pour l'instant. On va voir ce qu'il fait. Donc ça c'est le même dino que Marie. Ah il compte pas pour ici. Voilà. Il compte pour le canyon d'Ariakota. Ok. Sable, c'est une couleur recherchée. Et il fait quoi? J'ai même pas fait gaffe. Ah, le fameux tailleur et sprinter. Ok. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est pas forcément ce que je cherche, mais why not. Oh, c'est la première fois qu'on en voit un rouge, ça. Bon, faudra qu'on vienne péter ça avec... avec Wookie, on va aller, on va aller à la forêt. Hein. Alors, les Kentosaures. Ouais, pas de couleur ce... qui se démarque en tout cas. Le méga... C'est quoi, c'était méga... Méga, je sais pas quoi. Ouf, bof. Bof. Ah ça c'est les kiwis. Ouais ils sont sympas en violet comme ça tiens. Bon, c'est sympa mais c'est pas ce que je cherche. On va aller voir. On va direct aller voir le T-Rex. On va direct aller voir le T-Rex. C'est là que je crains le pire. Non ça va. Bon bah on n'a pas de chance hein, sur les shiny là. En tout cas enfin, en termes de couleurs. On va pas trouver des trucs fous. Hein. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu et en même temps un peu pas étonné. Vu mon karma habituel. Je suis pas étonné que le jour où on est censé voir plein de mobs, on n'en voit pas plus que ça. Il est joli celui-là. Il est tout minuscule et tout. Après si tu load la save, tu peux vérifier si ça reset. C'est ce que je vais clairement faire. C'est clairement ce que je vais faire. Ah bah tiens, une quête. C'était pas prévu ça. Moi, j'avais plein de trucs prévus aujourd'hui là et... Oh, c'est pas ça que je voulais faire. C'est Dylan. Alors tu te souviens de camouflage? Eh ben ça a pas fonctionné du tout. Mais je vais même pas te montrer ma cachette dino, elle a été écrasée, je préfère pas en parler. Bref, si je veux en apprendre plus sur les troupeaux, les styracosaures ne sont pas la meilleure cible. En fait j'ai déjà fait le tour de la vallée verdoyante et de la forêt marbrée. As-tu déjà vu l'arche brisée de l'autre côté de la vallée? Elle mène au canyon d'Ariakota. Il doit y avoir tout un tas de nouveaux troupeaux que nous n'avons pas encore étudiés. Je vais aller voir. Cool, ton enthousiasme fait plaisir à voir. C'est un gros tas de pierres entre deux grands rochers. Ça m'étonne que tu ne l'aies jamais vu. Bah oui, j'imagine que c'est là-bas, mais bah, il me faut un dino qui puisse péter les buissons. Et ça, pour l'instant, bah, on n'a pas. Alors, tant qu'on est de sortie avec notre Ankylo et avec Styra et Wookie, on a plusieurs choses à péter. C'est pas là, c'est de l'autre côté. Même toi, tu auras le nom direct. D'accord. On verra ça. Ah oui, du coup, je l'ai pas rescanné, lui. Vous avez pas intérêt à le réveiller, vous, à côté, là. Au moins on a donc on sait qu'il y a des Utahraptors qui pop ici. Et on a eu la couleur sable qui est recherchée. On a au moins eu lui qui a pop.
en mode shiny. C'est déjà ça de gagner. Oh, il y a des poires là. Oh, c'est un dino à l'arme. Tu t'approches et fais. Qu'est-ce que c'est? Basalte. Oh, d'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Oui. Qu'est-ce que c'est? Fragment de tapisserie. D'accord. On est d'accord qu'on a déjà scanné, hein. En effet. Ok, bon bah ici on est bon. Ah, c'est des dinos système d'alarme. Hein. Si j'en chope un comme ça, je l'appellerai Giro. Ici, du coup, on a dit qu'il y avait ça à péter. À deux doigts de lâcher un intrus, métalement. Donc ici, non, déjà, il y a une pierre de rêve et il y a un truc à scanner aussi. Avec un peu de chance, il va passer level 6, régène un peu d'endurance et on pourra aller taper quelques trucs dans le jardin. Hop, ça, on est bon. Des fragments d'argile. Des robes derrière. Très bien. Ah non, celui-là, on avait pu le scanner de l'autre côté. Très bien. Rien de plus. Je vais pas péter le bois qui est là pour l'instant. On va économiser l'endurance de notre pépère. Après, là, on arrive vers le village, donc... Oh, tiens. Hop, petit morceau de statue. Quelques pitanlis, ça tombe bien, on commençait à être à court. Oh, une quête. Tu vois bien? Ah, moi je suis un peu surmené et frustré. J'essaie de résumer un long chapitre sur les préférences des théropodes pour le pain et les pâtisseries. Mais Bongo est insupportable, il n'arrête pas de me déranger, ça casse complètement ma réflexion. Ça fait des heures que je suis sur ce chapitre, je peux plus supporter les bêtises de Bongo très longtemps. Si tu faisais une pause... Peut-être, j'ai besoin de calme. J'aime penser que c'est en travaillant que je suis le plus heureux, mais parfois je me rends compte que je ne fais que ça. Il me faut un passe-temps. Je vais me mettre au jardinage. T'en es sûr? Ouais, ouais, à ton arrivée, t'as commencé à t'occuper d'une ferme et tu sembles si calme. Il doit y avoir un lien. Un jardin, le mien, comme toi et mamie, je me lance dès aujourd'hui. Mais je n'ai pas de graines. Vois-tu la gentillesse de m'en procurer? Quelques légumes, c'est un bon début. Disons des carottes, des pommes de terre et des oignons verts. Ça va, tu veux pas non plus autre truc, ton cuir? T'en veux combien? 3 graines de carottes, 3 graines d'oignons et 3 graines de pommes de terre. Super. C'est vrai qu'il faut qu'on parle à Marlowe aussi. On va y aller vite fait. Ouais. Bon bah un peu de déçu de ce shiny day. Hein. Déjà il pleut comme pas permis. Dans quelle heure il est? Ah oui, on est dans l'après-midi et alors, j'imagine que c'est le soleil, mais ça ressemble quand même beaucoup à la lune. Hein, Alors, Marlowe, fallait qu'on cause. Vieux bâtiment dans la vallée? C'est le vieux moulin avant. Il est là depuis toujours, toute la communauté pouvait y moudre sa farine. Mais un matin, de créteur, il a arrêté de fonctionner, et au fil du temps, il est tombé en ruine. Ouais, ce vieux moulin me manque, j'étais qu'un petit garçon à l'époque. On parlait toujours de le réparer avec ma mère, mais bah, on n'a jamais eu le temps. Ce serait chouette de le remettre en route. On devrait y jeter un œil, ça me dirait bien de mettre les mains dans le cambouis d'un nouveau projet. On se retrouve là-bas, après la fermeture de la place Caillou? Ok. De toute façon, ça va pas tarder à fermer, donc c'est tant mieux. Est-ce que tu veux faire des nouveaux popins? Alors, que veux-tu manger? Nice. Recette particulière, hein, ouais. Épicée?
Qu'est-ce que tu veux? Un oignon vert ou de l'ail? Bah, ce sera de l'oignon vert. Ce sera de l'oignon vert. Bon, Jacqueline Fringue n'a pas de quête. Faudra que je lui fasse faire des quêtes, mais le problème c'est qu'il me faut du pognon. Donc pour l'instant, c'est compliqué. Alors, Pipin et son oignon vert. J'ai une requête particulière, épicée, oui. T'es pas dans ton élément, prends de l'oignon vert. 3 popins épicés, il coûte combien? Ah, il coûte 300 cela. T'as envie de sentir le feu dans ta bouche, essaye donc ce popin surpuissant. Très bien. Bon ben pour l'instant on a tous les popins qu'on pouvait voir en tout cas. Alors, j'ai pas demandé, m'as-tu trouvé les graines? Oui. Est-ce que ça t'intéresse? J'en ai récupéré en préparant le jardin. Ouais. Aucun problème. Trèfle, pissenlit. Bon, pissenlit c'est cool. Bon, on est où dans les... ouais. Tous ceux de la première ligne, tous les premiers PNJ ont un cœur, enfin un cœur. Une fleur de... un pétale de fleur, j'y arrive. J'ai du mal. Ici, il nous manque un dino. Hein. Là, par contre, je vois pas où il est ce dino qui nous manque. Je veux dire, on a fait tout le tour de la zone. Marlo, bah, faut l'attendre. Bah, en attendant Marlo, on va aller voir le passage de Marie. Hein, même si je pense que c'est le passage qui est derrière les buissons. Parce qu'en fait, moi, je suis persuadé que c'est par là-bas, mais... mais en fait, peut-être pas. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait accès à une autre zone depuis très longtemps et en fait je la vois pas depuis très longtemps? Ce serait bizarre. Qu'est-ce que vous... vous êtes quoi vous? Quelque chose qu'on connaît pas. Quelque chose qu'on connaît pas et... et qu'est-ce que tu fous là? Un oviraptor? Ciao. J'imagine qu'il fait le neneuil et le petit saut. J'imagine. Laisse-moi deviner. Je le sens bien. Ah bah tiens donc. Très bien. Et est-ce que c'est le dernier de... Ah non, il compte dans la forêt. Donc là il nous en manque un, là il nous en manque deux. Et on a déjà trouvé donc l'Utahraptor qu'on est censé trouver dans la troisième zone mais à laquelle on n'a pas encore accès. Donc peut-être que eux, c'est ils viennent là quand il pleut. Du coup j'imagine. Hop, j'en profite. Quelques pissenlits. Parce qu'en vrai, je vois pas d'autre chemin vers là. Pour moi, le chemin vers l'autre zone, c'est là. Mais sans le stego, ça va être compliqué. Et en fait, je crains que tant que j'ai pas... enfin, tant que j'ai pas le biome... tant que je peux pas mettre le biome forêt dans un enclos, bah, j'ai peur de que je sois bloqué. Sadiane, cette ruine me rappelle de sacrés souvenirs. Cet endroit est dans un triste état. J'ai l'impression que ce projet va nous prendre plus de temps que prévu. Si on veut remettre cet endroit en route, il va nous falloir une sacrée quantité de matériaux de construction. Oui bon, j'ai déjà reconstruit un moulin. Attends, j'ai une bûche, voilà. Bon, 50 pierres, on les a largement. 50 bois, on les a largement. 20 fibres, je pense qu'on doit les avoir. Hein. Je pense qu'on les a. Ce serait génial que le moulin en farine fonctionne à nouveau, c'est un projet passionnant et ça servira à la communauté. Je t'aiderai autant que possible, mais j'ai aussi beaucoup de travail à l'atelier. Je pense qu'il va falloir que tu fasses le plus gros. Bonne chance.
Mais oui, bah en soi, on a déjà reconstruit un moulin. Une pierre de rêve là. Je l'ai même pas vu. On a déjà reconstruit un moulin, on peut bien en faire un deuxième. Mais il faudra qu'on voit ce que c'est ce truc marqueur là. Non, tailleur. Avant de dormir, on va quand même claquer le maximum d'endurance pour aller déblayer là. Déblayer le champ là. J'ai pas du tout eu peur. Ah, merci Katakuri pour le resub. Bonsoir les gens, vous allez bien? Bah ça va très très bien, merci beaucoup. Oh, j'ai tellement flippé. On en parle? Que la notif de sub m'a fait plus peur sur Paleo Pines que sur le live Halloween. Ah, merci beaucoup d'avoir claqué ton Prime. Merci beaucoup de l'avoir claqué à la maison. Et merci pour le soutien à la chaîne. Là, qui dit bonsoir les gens, vous allez bien. Mais ça va, hein. Ça va, en dehors du moment où ça m'a fait peur. Mais sinon, ça va. Ben ça va tranquillement, ouais. Petite soirée de reprise, hein, parce que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas touché à Paleo Pines, donc petite soirée de la détente. Allez, on a un moulin réparé, ça c'est bon. Le moulin fonctionne à nouveau, j'ai hâte de le dire à Marlowe, il va être fou de joie. Il est rentré chez lui, n'est-ce pas? On va voir si on a le temps d'aller jusqu'à chez lui. Bon, en vrai, non. Je vais d'abord aller. Je vais plutôt m'occuper du jardin. Marlowe, on verra demain. Aïe aïe aïe. On n'a pas idée, hein, de mettre des dossiers pareils. On n'a vraiment pas idée, hein. Ok. Celle-là, on devrait pouvoir la faire. Hop là. Ok. Il nous reste quelques cailloux aussi à faire. On va amener notre pentistyra. Hop. Et du coup, on va voir hein, si on passe trop de temps dehors. Est-ce qu'il y a un moment où le jeu il dit ton perso est trop claqué, tu dors, point final. Comme dans beaucoup de jeux de ce style. Oh, bah voilà, juste petit level up. Nickel. Hop. Grâce à toi, je joue FF14 depuis un mois sur la PS5 et j'adore. Bah, je ne suis pas le seul. Hein. Si on parle de FF14, faut quand même remercier Blue aussi. Hein. Faut le dire. Rendons à Blue ce qui est à Blue. Je suis pas tout seul à animer les lives FF. Et j'ai pas honte de dire que 90% des conneries, c'est Blue qui les fait. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Ouais, certainement, ouais. Ouais, j'attendais la réponse. Allez, c'est bon. On est comment en termes ouais, de c'est la nuit, hein. Eh, mais le brouillard qu'il y a quand c'est la nuit, mine de Dieu, ça déconne zéro, hein. Alors, par contre, Pépère, t'es bien gentil, mais t'es au milieu de la route, là. Allez, rentre à la maison. Non, tu vas rester là. Ouais, bah écoute, hein, reste là si tu... C'est minuit! Allez, avant de dormir, vite.
Je sais pas si je lui ai filé la noisette ou pas. Vu qu'on a fait un reload pour voir si les shiny étaient un peu plus généreux. Dans le doute, je vais en refiler une. Ah non, 3. Donc oui, non, je lui en ai filé une. J'en ai filé une? Oh, je sais pas, vas-y, je lui en file une. Au pire, c'est pas grave. Mange de cette noisette! Non, non, bon, oui, là, là, merci. Allez, un petit pas de patte sur la tête et puis tout le monde va au lit. Hein. Il manque quelques tombes et l'ambiance serait parfaite. J'avoue, mais sans déconner, on voit pas à 10 mètres. Allez, hein. Allez, bonne nuit! La musique?